Une fois qu'on aura monté le pneu. Euh, et je vais changer aussi pareil couronne, pignon de sortie de boîte, chaîne renforcée. Voilà. Et puis euh, je voulais vous demander votre avis pour le pot d'échappement. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai mis de la, de la gaine thermo dessus, de la gaine thermique. Alors ça fait pas mal. Alors je me demandais euh, si je faisais un petit rajout. Comme ça, sur le pot. Regarde, il faut que je laisse sur le côté, pardon. Si je fais un rajout sur le pot, comme ça, ou si je laisse d'origine, ou alors si je fais un rajout et je mets de la gaine thermo tout le long, ou euh, l'échappement, si. Euh... Alors, pareil, autre possibilité, je le peins en noir, en noir ou gris haute température, ou alors je gaine tout depuis le début. Parce qu'en fait, ce qui m'inquiète, niveau carrosserie, Voyez, là ça touche la ligne d'échappement. Donc, ça, ça m'inquiète me... ça un peu. Voilà. Si vous savez, si vous avez des astuces, dis-moi en commentaire. Merci les amis, à la prochaine.